Regardez ce que le chat a ramené. Vous l'avez eu ? Sheila m'a devancé. Il est mort. La pute ! Elle a dû franchir la brume à l'heure qu'il est. Allons, sorceleur. Il nous faut lever cette malédiction. J'ai récupéré le médaillon du roi. Je suis prêt à lever la malédiction. J'ai les artefacts. Alors nous pourrons bientôt affronter Aedirn. Et vous pourrez recouvrer la mémoire. J'ai besoin de vous, magicien, pour trouver les bons fantômes. Eux vous trouveront. L'aura des artefacts les attirera. Laissez-les penser, parler, agir. Alors vous saurez que faire. Geralt, il y a autre chose. J'ai balayé le champ de bataille et j'ai trouvé le fantôme du visiteur. Il est différent des autres. Il a changé. Un drogue ? Je m'y attendais. Bonne chance, sorceleur. Il n'y a pas de temps à perdre. Tuez ces chiens de Kedwen ! Non, ce n'est pas l'heure. Parfois, j'oublie pourquoi nous nous battons. Les rois puissants doivent faire la guerre. Alors pourquoi Demaven et Henselp ne règlent pas leur compte en duel ? Mon beau-frère vient de Kedwen. C'est un gamien. Une fois, je suis allé au marché là-bas. On m'a vendu de bons produits. Et moins cher qu'ici. On sent la ferme. Les Kedweniens sont tous des ribauds. Vous savez ce qu'ils feront à nos femmes si nous perdons ? Vous avez oublié qu'ils sont venus brûler et piller nos terres ? Et nous devrions les laisser s'en tirer ? Fils de garce ! Attrapez-les ! Non, attendez le signal. Pas de temps à perdre. Silence ! Archer, allumez vos flèches ! Visez le premier barrage ! Attrapez-les ! Capturez l'étendard ennemi. Nous avons été pris en embuscade. Il nous faut des renforts. Transmets au commandant. Qui ? Moi ? Non, la princesse Syphilis. Bouge, imbécile ! Avant qu'on soit tous taillés en pièces. N'y arriverai pas. C'est ma première bataille. J'ai tué mon premier homme. Ce sang sur mes mains. Thank you.
a eu une embuscade. Nous ne tiendrons pas. Est-ce qu'un de vos éclaireurs montait la garde, capitaine? Oui, commandant. Ils ont dû opérer de nuit. Rien n'a été signalé dans la journée. Dame Glévisig veillait la nuit avec sa magie. Des coups de fouet à tous. Et qu'un tiers soit pendu. Il nous faut des renforts. Il n'y aura aucun renfort. Il vous faudra tenir. Et vous, Glévisig, je réglerai votre compte plus tard. Le roi aura vent de votre incompétence. Ce sont les commandants qui gagnent ou perdent les batailles, non les magiciennes. Moi aussi, je ferai un rapport, et... Fin de la discussion, sorcière. Allons gagner cette bataille. Soldats, à vos étendards. Officiers, au combat! Détrompez-vous. Cette discussion est encore loin d'être terminée. Je peux vous aider, Sabrina? Ma place auprès d'Enselt est menacée. Qui plus est, si Vandergriff gagne cette bataille, rien n'empêchera Enselt de prendre le Waedir. L'équilibre du pouvoir dans le Nord sera rompu. Que pouvons-nous faire? Je vais invoquer le feu de Melgar, tuer Vandergriff et affaiblir les deux camps. Le recours à une telle arme risque d'être sévèrement condamné. Je sais, j'en suis consciente. L'hégémonie d'Enselt est contraire au projet de la Loge. Très bien, nous vous aiderons. Mais n'oubliez pas, en cas d'échec, vous êtes toute seule. Je suis fin prête. C'est tout! Vous mourrez bien vite, comme des vers sous mes pattes. Y a-t-il un Kedwenien à la hauteur de Selkir de Guleta? J'ai toujours voulu le rencontrer. Va-t'en, Spectre. Je ne laisserai pas passer l'occasion d'un duel avec Vandergrift. Il va te tuer. Selkirk ne craint pas la mort. Si tu trépasses, tes soldats mourront tous les jours, sans fin. Va-t'en. C'est un boulot de sorceleur, pas de chevalier. Je le fais pour mes hommes. Thank you.
Trébuchez!
prophétie. L'heure où l'empereur et magicienne se retourneront contre les hommes, le feu viendra du ciel. La destruction arrivera. Et après, on attend gentiment la mort. Je vous guiderai, comme un berger guide son troupeau à l'abri d'un sort funeste. Sabrina, est-ce votre œuvre? Que vos troupes continuent d'avancer, Altesse. L'armée aédirnienne est en déroute. Elle n'est pas la seule. Regardez ces hommes terrifiés. Ce matin encore, c'était mes meilleurs chevaliers. Avec du renfort, ils s'en sortiront. Qui vous a permis d'utiliser la magie? Frappez maintenant et la basse marche est à vous. Vous avez souillé mon honneur, causé la mort de mes chevaliers. La bataille était perdue. Vous m'avez humilié devant Demaven. Ces troupes se sont battues avec honneur. Sabrina Glevisig, je vous condamne à mort. Vous brûlerez sur le bûcher. Je reviendrai. Je reprendrai mon dû. Le 25 juillet 1270, les forêts d'Angraine. Aucun mortel, aussi puissant soit-il, aucune montagne de muscles ne pourra parer le coup de queue de la Margouillas. Leto ne pouvait pas réussir, mais il a survécu par miracle. Je l'ai aidé. Après tout, les sorceleurs doivent s'entraider sur le sentier. Il avait deux compagnons, des frères d'armes de l'école de la vipère. La chasse poursuivit vers le sud, mais Leto de Gouleta savait où elle allait. Il savait où cette course infernale finirait. Enfin debout. Où sommes-nous? Dans un des lieux les plus sûrs du camp, l'ami. C'est un bordel. Ouais. T'es venu là pour baiser. Tu veux rire? Mon ami est sur son lit de mort. Je ne pourrais pas faire ça. Regarde autour. Tu es dans un bordel. Mais c'est avant tout un lieu de travail, ça ne compte pas. Comment j'ai atterri ici? Ils t'ont trouvé dans les champs, inconscient. Le brouillard. Disparu. 3 jours de cela. 3 jours? Tu es certain? Roche a eu le temps de partir en mission secrète aux confins de Kedwen et de revenir. Cédric disait vrai. La bataille des spectres agit sur la mémoire. Un autre chapitre du recueil Gérald de Rive s'est ouvert à toi? Je me suis rappelé qui m'a aidé à rattraper la chasse sauvage. Qui ça? Leto, l'assassin de Foltest. Je lui ai sauvé la vie. Il savait où se trouvait la chasse sauvage. J'ignore seulement si nous avons pu sauver Yennefer. Qu'est-il arrivé pendant que j'étais inconscient? Oula! Tu as chassé le brouillard des spectres. Henselt a eu vent du complot contre lui et Detmold a complètement perdu la boule. Tu as dit que Detmold avait perdu la boule, c'est-à-dire... Henselt l'a rappelé à l'ordre pour ne pas l'avoir informé du complot, puis pour ne pas avoir mis la main sur les comploteurs. Detmold est du genre ambitieux. J'imagine qu'il a dû se mettre la pression. Cet ambitieux a fait arrêter les moindres suspects. Là, ça fait 3 jours qu'il les questionne, les torture et les pend. Il revient toujours à ce qu'il sait faire de mieux. Pourquoi Henselt a-t-il retardé l'attaque? La noblesse et les officiers voulaient des privilèges et la garantie qu'il n'y aurait pas d'accord avec Nilfgaard et qu'il recevrait des terres dans la vallée du Pontard. Henselt a accepté? Tu parles. Il était furieux.
Il les a traités de lâches pendant 3 jours, mais il ne peut se passer de la noblesse. Finalement, il a convaincu une partie de l'armée avec des promesses et il a marché sur Vergen. La bataille doit avoir commencé. On ignore toujours qui mène la conspiration. Ils ont arrêté Bragfeldt, Kirim de Kengorn, et Gunnar Blekenov et sa bande. Mais j'en sais pas plus. Cela dit, je sais où on peut trouver le chef de file de ces comploteurs. Ah oui ? J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit qu'un bordel. Non seulement c'est un bon endroit pour... Viens-en au fait, Jaskier. J'ai entendu Suzy la siffleuse parler. D'ailleurs, ne te fie pas à son surnom. Elle a un superbe... Oh. Concentre-toi, Jaskier. J'ignore à qui elle parlait. Je n'ai pas pu voir sa tête. Mais je l'ai bien entendu dire, le patron donnera ses instructions aujourd'hui dans la maison sur la falaise. Jaskier, encore une chose. Hein ? Tes pamphlets. Si Detmold venait à identifier l'auteur... Très juste. On devrait décamper. Toi, tu dois décamper au plus vite. Je ne t'abandonnerai pas, Geralt. L'aventure nous attend. Les royaumes tombent. Tant de sujets pour composer des ballades. Mais bordel, Jaskier. Tu ne vois pas que les plaisanteries sont terminées ? Si Detmold s'en prend à toi, planque-toi quelque part, loin de la vallée du Pontard. Bon, d'accord, c'est bien parce que c'est toi. Je pars pour Oxenfurt rendre visite à nos amis. Mais lorsque ce sera fini, je te retrouverai. Je sais. Il reste encore quelques affaires à régler. Que comptes-tu faire, Geralt ? Je vais retrouver Sheila, le régicide et la mémoire. Mais d'abord, je vais découvrir qui se cache derrière le complot. J'ai quelques soupçons. Tu crois que c'est Sheila ? Planque-toi, Jaskier. Et à bientôt, l'ami.